Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En ceci, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Tu nous as fait grâce de te connaître, toi le seul le vrai Dieu. Nous disons merci pour cette grâce. Tu nous as fait grâce encore de connaître Jésus-Christ, le salut que le Christ nous a apporté. Merci pour le pardon de nos péchés, merci pour la vie éternelle, merci pour ta présence glorieuse dans nos vies. Merci parce que l'éternité a été assurée par Jésus-Christ. Merci ô Dieu, tu as donné un sens à nos vies. Toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre, gloire à Dieu. Bonsoir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous fait grâce d'être ensemble dans la prière, dans l'écoute de sa parole. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, hier, c'était cette histoire des absents. Une fois, j'étais appelé, j'étais invité, on était invité, moi et mon épouse, à une fête de mariage. Nous étions là, une grande fête, une fête royale. Mais quand la mariée entrait, c'était là où j'ai dit à mon épouse, mets-toi debout, on rentre. Quand la mariée entrait, tout le monde dans la joie, je me suis souvenu de la mère de la mariée. Une maman veuve pendant longtemps qui a élevé ses enfants seule. Et voilà, quand les enfants ont grandi, les enfants ont commencé à terminer les études, à travailler, la maman est morte. Dans cette fête-là, sauf l'artisan de cette vie-là, absente, je n'ai pas pu supporter. Bien-aimé, ce sujet, peut-être ça va m'aider à prêcher ça à travers le monde. Je pensais à leur maman. Je n'étais pas seul, je vis dans la salle, les gens commençaient à pleurer parce que cette femme-là a souffert pour ses enfants. Vous savez, dans certaines familles, ils savent que nous, on élève les enfants, mais
On n'est pas là quand les enfants commencent à produire. Absent. Et il y a des orphelins, des orphelines. Leurs parents n'ont pas eu la grâce de les voir grandir. Des parents absents. Bien-aimés, j'ai dit à mon frère Malé, là, ce sujet-là, je devais reprendre une ou deux choses parce qu'on doit prier. Combien de fois j'ai vu des grands messieurs, des grandes dames pleurer simplement parce que quelqu'un réalise Dieu l'a béni, sauf son père n'est pas là. Absent. Moi, j'ai deux orphelins qu'ont laissé mes frères. L'autre là, quand il s'est marié, ni son père, ni sa mère. Et moi, j'ai eu la grâce d'être là, présent. Que le Dieu de grâce te fasse grâce de ne pas partir très tôt. Peut-être il y a un orphelin ici, tu penses à ta mère ou à ton père. Au moment où tu es capable d'acheter une costume, mais ton père n'est pas là, absent. Et ça, vous trouverez dans la vie, il y a certaines personnes, à cause de ça, ils n'aiment pas donner aux autres. Parce que quand il ou elle pense à celui qui a souffert, qui n'est pas là quand le fruit a mûri. Bien-aimé, et absent. Chaque année, il y a 12 ans, 13 ans, et on m'invite dans une église là à Lubumbashi, presque chaque année, une ou deux fois. Un jour, j'ai reçu le président des jeunes qui partageait avec moi sa souffrance. Il a étudié avec beaucoup de délestage, mais la famille comptait sur ces garçons-là. Il a terminé l'université un peu en retard parce que parfois il étudie à la fin de l'année, l'autre année, la famille n'a pas l'argent, il reste à la maison, il a étudié comme ça. Il termine les études universitaires. Par la grâce de Dieu, il trouve un très bon boulot. Il devient malade. Il n'a pas reçu 10 salaires. Donc, pour dire pas 10 mois, il est devenu malade. La santé qu'il avait, cette santé-là a disparu. Chez le médecin, on lui donne beaucoup d'interdits, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Et il me dira, pasteur, tout ce qu'on m'interdit là, je n'ai jamais mangé ça. C'est le temps maintenant de vivre. On m'interdit la viande, on m'interdit les laits, on m'interdit ceci, on m'interdit cela. Bien aimé, l'autre année, quand j'ai atterri à Lubumbashi, je trouve dans l'équipe qui est venue me chercher, me recevoir à l'aéroport, le président des jeunes n'était pas là. Je pose la question, mais Prézo, tout le monde calme, silence.
pour me dire après, preso et à la morgue. Il a laissé les diplômes, les sacrifices de plusieurs années, mais lui, absent maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici tu as ou tes parents ne t'ont pas vu grandir? On va prier pour cela. Avec Jésus, il y a un des disciples de Jésus qui était absent le jour de l'ascension et le jour de la Pentecôte. Ce disciple-là, c'est Judas Iscariote. Lui, il a été absent à cause de son péché. Bien-aimé, les péchés peuvent aussi effacer ta vie. C'est pour dire qu'il y a des péchés qui peuvent ou qui peuvent contribuer à t'effacer. Tu deviens absent. Mais conséquence d'un péché. Nous allons prier, bien-aimés, et moi j'ai reçu la grâce. Mes deux frères là qui ont sur les 13, mes soeurs n'ont pas laissé des enfants parce qu'elles sont mortes très tôt. Mais mes deux frères ont laissé des enfants. Ils n'ont pas vu ces enfants là grandir. Mais moi j'ai reçu la grâce de voir et mes enfants et les enfants de mes frères grandir. Ça, c'est une grâce. Présent. Hier, j'ai reçu un peu d'argent là et mon premier fils qui a envoyé pour que je donne à quelqu'un pour qu'il lui achète des histoires. Mais il m'a quand même glissé $150. On habitait $150 en immortalisant, on a sommé là, on cosa. Présent. Présent. Lisons dans Genèse 26. Parce que ce que je vais ajouter, c'est presque la même chose. C'est pour ça que je trouve que c'est bien que je prêche un peu, j'exhorte et après nous allons prier. Mais bien aimé, notez ça. Voir ses enfants grandir, ça c'est une bénédiction. Aujourd'hui, quand je regarde certaines familles, tu vois, les parents sont en train de vieillir ensemble avec les enfants. Mais nous autres, là. Que le Dieu de grâce te visite. Amen. Tu dois être là. Mais peut-être il y a dans cet temple, dans cette salle, il y a quelqu'un, des parents, babotino, ils t'ont pas vu grandir. Genèse chapitre 26. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Refuser. Genèse chapitre 26, on commence par le premier verset.
Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tout ce contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tout ce contrée. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, on nous dit ici, avant que j'entre dans la Bible, vous savez, dans la vie, il y a le chemin qu'on a déjà tracé, où tout le monde passe par là. Ou le chemin battu. On est obligé de passer par là. Bien-aimé, dans la vie, parfois on n'est pas obligé de passer par le chemin de tout le monde. Parce que si tu passes par le chemin de tout le monde, tu auras la vie comme tout le monde. La Bible nous dit qu'au temps d'Abraham, il y a eu une famine. Alors qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est allé en exil en Égypte, en Afrique. C'est pour ça que moi je dis souvent que nous les Africains, parfois les autres oublient l'histoire. Hein? Nous étions source de bénédiction, Afrique, pour Abraham. Il est venu en exil en Afrique, en Égypte. D'ailleurs, on nous dit aussi par les historiens que l'Égypte ancienne, il y avait des Noirs. C'est pour cela que moi j'ai dit qu'on peut me chasser partout à travers le monde, sauf en Israël, parce que leur ancêtre est venu vers nous. Pas seulement lui, même Jésus, immigré. Maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un veut immigrer, oh non, voilà, ils ont tenté de fuir la famine. Oui, Abraham aussi. Amen. Amen. Un jour, j'ai dit à un pasteur, « Yo, ce que tu as dit, au Kimi, na web Sanzamba, qui peine du sous-monté. » Je vais dire à Dieu, comprenez seulement. À Dieu, écoute la prière. Abraham, en son temps, la famine, il descend en Égypte. Abraham n'est plus au temps d'Isaac, son fils. Une histoire se répète. La famine. Bien-aimé, il y a des chemins déjà tracés. Ça sous-entend, si Dieu dit à Isaac, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ça sous-entend. Il était en train de prendre le chemin de son père. Et Dieu a arrêté ça. Hé, hey, toi, pas là-bas. Tu ne descends pas là-bas. Toi, tu restes ici. Si Dieu n'avait pas intervenu, Isaac ira en Égypte comme son père. J'essaie un peu de marier
cette intervention d'aujourd'hui, de ce soir, avec celle de d'hier, là, des absents. Mais ici, tu prends le même chemin que tes ancêtres. Dans ma vie, quand j'ai compris l'histoire, le chemin tracé de ma maison de l'enfance, j'ai beaucoup prié. Vous avez dans cette histoire, moi, ma mère, cette femme-là, ma nyangawana mouloual, bien-aimée, une femme, mais qui a travaillé dans sa vie. On avait 4 champs à Kinshasa. Pas avec les tracteurs, mais avec maman. On vendait les pains. On était client de 3 boulangeries. C'est pour dire que dans mon enfance, dormir, faire ce qu'on dit la grasse matinée, ça n'a pas existé. Déjà 3 heures du matin, maman devait nous réveiller parce que son mari, notre père, avait les dons de disparition. Même à la saison sèche, là, sans chemise, tu avais les bassins. Maman derrière avec la chicotte. Les autres dormaient, mais 23h30, 4h, on attendait des petits garçons pleurer parce qu'on devait aller prendre les pains. Déjà 6h du matin, on vendait les pains. Vers 8h, 9h, 10h, les champs. Donc c'est pour dire que dans ma vie, j'ai vendu les pondous. J'ai vendu les ndunda, donc les légumes. J'ai vendu les pains. On nous appelait Mwanamapa. Donc je suis un ancien Mwanamapa. Le fils du pain. Mais quand je regarde ma mère, sa vie, elle qui a travaillé, ma mère n'avait presque rien. Quand elle est décédée, elle n'a rien laissé. C'est pour dire que je suis un enfant par rapport à mes parents, un enfant sans héritage. Ni mon père a laissé l'héritage, ma mère a laissé les champs. Mais connaissant les Bamanyanga, j'ai trouvé que si j'entre dans les histoires des chats de ma mère, ça sera des catastrophes. J'ai laissé. Alors, le moment là, bien aimé, dans cette histoire de prédication, à Kinshasa, il m'est arrivé de prêcher 7 fois par jour. 7 églises. Un jour, un professeur m'a posé la question, mais Kondo, lundi, tu as un examen de grec. Et le week-end, tu as prêché dans 10 églises. Comment tu fais? J'ai dit seulement au professeur, les enfants ne vont pas manger les grecs. C'est pour dire que je devais travailler. Mais j'ai commencé à réaliser, j'ai travaillé beaucoup, j'ai bossé, mais je n'avais rien. Je dis, non, ce n'est pas possible. Ça, c'est le chemin de ma mère. Ça, c'est ma mère. Alors, quand je commence à comprendre, bien aimé, un jour, un pasteur me dira, toi, de la façon qu'on t'aime, qu'on t'invite, la vie que tu as, ce n'est pas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est 50 jours de prière. Ça sous-entend 50 jours de prière, on peut avoir 500 sujets de prière dans 50 jours. Pour qu'après 50, et chacun soit réellement libre. Hein? Que tu vives réellement ta vie. Bien-aimé. Il y a même de moments où je prêchais avec des pantalons troués. Une fois, je prêchais là, les mains dans les poches, parfois, tu veux entrer dans la poche de droite, de gauche. Quand je termine, un papa là qui me dit, mais c'est de l'orgueil. Comment tu peux prêcher les mains dans les poches? Ce n'était pas un problème d'orgueil, c'était une catastrophe naturelle. C'est les Silip qui me faisaient défaut. Silip et Lemba. Mais il y a 2 ans, je crois, passé, je croisais cet homme-là qui m'avait dit que j'étais orgueilleux parce que je mettais les mains dans les poches. Je le regarde, il a vieilli. Il était là à l'université, à l'aumônerie, en train de suivre la prédication. J'ai regardé, voilà, c'est cet homme-là. Il a vieilli, bien aimé. N'a sauté à Kamabourou. Pour lui dire que. Échange à Ranango. Bien-aimé. Le chemin que tu as pris, est-ce que c'est ton chemin ou c'est le chemin déjà battu, tracé, où tout le monde doit passer par là? Il n'y a aucune puissance sur cette terre qui peut te déraciner sur le chemin de tout le monde si ce n'est pas Dieu. Amen. C'est Dieu qui dit à Isaac, non, 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 toi reste ici. C'est pour dire que toi fais l'exception. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, toi tu feras l'exception. Amen. Alléluia. Amen. Tu feras l'exception. Amen. Je commence à prier, à dire à Dieu, je ne suis pas ma mère. Non. Je suis pas. Et ma mère, avant de mourir, je lui ai dit clairement, je ne vais pas donner ton nom à ma fille. Parce qu'avec ton histoire là, si j'ai donné ton nom à ma fille, elle va reproduire ce que tu as vécu là. Une histoire triste. Et ma mère me dit, ne me dis pas ça. Non, 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 non. Je te dis ça avant que tu meures. Pour que ce ne soit pas prêt, oh voilà, tu as eu seulement une fille, tu n'as pas donné le nom de ta mère. Non, moi je connais ma mère. Je connais mon histoire. J'ai dit à ma mère, ton nom, quand on va t'enterrer, tu vas être enterré avec ton histoire. Parce que cette histoire-là est trop triste. Oh, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée. Parce qu'elle nous a élevés. Mais son histoire n'est pas comme ça. Personne ne peut prendre ce chemin-là. Bien-aimé, Dieu dit à Isaac, toi, pas comme ça. Reste ici. Tu ne prends pas ce chemin-là. J'ai écouté un homme d'affaires là qui me dira, après une prédication, « Pasteur, ce que tu viens d'enseigner là, c'est ça notre famille. Nous, on devient riche déjà vers 25, 20 ans, 25 ans. Bon, on a l'argent. Mais quand tu arrives seulement à 40 ans, tu commences à tout perdre. » Et il me dira, « Quand tu commences à perdre à 40 ans, quand tu atteins 50, tu as presque tout perdu. Mais maintenant, chez nous, on ne meurt pas longtemps.
qui va vivre maintenant la pauvreté jusqu'à 100 ans, tu vas mourir. Vous savez que parfois dans les enterrements, on raconte des histoires. Hein? Ah, dans leur famille, c'est comme ça. Ils deviennent riches et après, ils vont tout perdre. Hein? Et tout ça. C'est le chemin de tout le monde, sauf toi. Est-ce que tu comprends ça? Sauf toi. Dieu dit à Isaac, pas toi. Reste ici. C'est ton père qui est descendu en Égypte. Pas toi. Reste. Je te bénirai ici. Ici, je te bénirai. Bien aimé, quand je dis ici, ça peut être pour toi, Istanbul, Turquie. Tu seras béni ici. Être béni ici ne veut pas dire que tu vas demeurer ici. Est-ce que tu comprends ça? La Turquie sera, pour toi, c'est une clé qui va ouvrir des portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? Amen. Toi demeure ici, reste ici, je te bénirai ici. Amen. C'est pour dire que là où tu es, Isaac, n'allez pas en Égypte. Il y a des millions et des milliards ici. Amen. Il y a des miracles ici. Amen. Reste ici. Amen. Tu ne vas pas rester seul. Moi, Adonai, je suis avec toi. Amen. Je te bénirai ici. Amen. C'est pour dire là où tu es, c'est là où la bénédiction doit venir et te rejoindre. Moi, j'ai pris souvent, une fois j'étais inspiré là, et ça, cela est devenu la prière de toute ma vie. Par rapport à l'argent, j'ai dit à Dieu, là où je suis, bon, foyawal. Amen. Bien aimé, c'est une prière de tous les jours. Là où je suis, Dieu dit à Isaac, non en Égypte ici. Je te bénirai ici. C'est pour dire que si ici, il y a des hommes qui ont échoué, sauf toi. Amen. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras connecté à la loi de l'exception. Amen. Là où tout le monde a pleuré, quand toi tu arrives, c'est la fête. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? Bien-aimé, une certaine prière dans la vie, tu dois t'accrocher toute ta vie. Tous les jours, il y a des prières qu'on ne peut pas oublier. Moi, je n'oublie pas ça. Et si Kanaza, bon, il faut la Nangawana. Parce que Dieu a dit quand même à Isaac, je te bénirai ici. Et la Bible nous dit partout où les plantes de tes pieds fouleront, je te les donne. Quand Dieu dit je te les donne, il te donne et l'espace aérien, et l'espace terrestre, et l'espace maritime, et les sous, tout, il te donne. Amen. C'est pour dire que là où tu es, tu ne seras jamais absent. Amen. Jamais absent. Amen. Jamais absent. Amen. Une fois, je suis allé dans un pays africain, là, voir mon ami, il est déjà mort, on l'a enterré l'année passée. Il était un missionnaire congolais. Je suis allé le voir. C'était pour les vacances. Mais il me dira, mais tu es prédicateur. Tu ne peux pas passer quand même 10 jours comme ça. Et je vais demander à un pasteur que tu prêches même une fois. Il s'en va. Je suis allé. Il a parlé au pasteur. Le pasteur m'a cédé une séance. J'ai prêché. C'était la pasteur, une femme. Je termine. Cette femme-là nous appelle au bureau. Elle a été édifiée. Elle me donne l'offrande. Mbongo! On sort. L'ami-là me dit, toi, tu as des fétiches. Beaucoup d'argent comme ça. Ce peuple ici, baka, baka, té. Moi, j'ai fait 7 ans ici. Toi, un monsieur de 45 minutes, beaucoup d'argent comme ça. Je le regarde et dis, c'est ma prière. Hein. Amen.
Alors je lui pose la question, tu as commis un coin avant que tu sois taxi, tu n'y es. Donc c'est pour la première fois que tu vois l'argent comme ça. Oui, c'est pour la première fois. Un peuple égoïste. C'est ton peuple. Moi, c'est un peuple qui donne. Amen. Je fais comme un quinoa. Je fais comme un quinoa. Quand la coin, voilà. Au moment où on a ça va. Allez, Kabola. 50-50. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit sortir de ce chemin-là battu, de ce chemin-là où tout le monde? Non. Dieu dit à Isaac, pas toi. Bien-aimé, nous allons prier et après je vais continuer et conclure. Bien-aimé, Dieu intervient. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un, Dieu doit intervenir. Amen. Cette histoire d'absence, tu as des enfants que tu ne verras pas grandir. Non. 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 Ah, Bazaralgo, Batata Nabango. Ils sont comme leur père. C'est dans leur famille paternelle, c'est toujours comme ça. C'est le chemin battu. Ils passent tous par là. Non. Celui qui est venu dans nos vies, Jésus-Christ, il est venu avec une nouvelle vie. Amen. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Ésaïe 60, oh, gloire à Dieu. Ésaïe 60. Bien-aimés, si on a fait des autres les absents, sauf toi. Amen. Jamais absent. Amen. Jamais absent. Quelqu'un me dira, parce que toi, tu aimes des belles choses. Non, j'ai vu ma mère. Elle a beaucoup travaillé. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle a laissé? Non, bien-aimé, il y a des chemins, il y a un chemin là, tu dois sortir de ce chemin-là. Dieu dit par le prophète, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, chapitre 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les peuples, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, le soleil. Mais sur toi, s'élève. Sur toi, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, pas seulement ça. Au verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière. Tous les peuples sont éclairés par le soleil, sauf toi. Sauf toi. La nuit, tous les peuples, la lune, mais Dieu dit, moi-même, je vais t'éclairer. Moi-même, je vais t'éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur, si toute la terre profite du soleil que Dieu a créé. Dieu dit, maintenant c'est moi qui va t'éclairer. Amen. Toi, tu fais l'exception. Amen. Tu fais l'exception. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir du chemin de tout le monde, il faut prendre conscience. Est-ce qu'il y a un chemin? Par rapport à ta famille et par rapport à l'histoire d'Istanbul. Ah, c'est toujours comme ça. Ça ne sera pas comme ça avec toi. Amen. Pas comme ça. Pas comme ça. Tous sont éclairés par le soleil. Mais Dieu dit, toi, tu ne seras pas éclairé par ce soleil-là.
moi-même, je veux t'éclairer. Bien-aimé, mon Seigneur, il y a des moments où tout le monde passe par ce monsieur-là pour avoir l'argent. Mais toi, tu ne passeras pas là. Vous avez dans la famille, parfois, il y a, c'est celui qui a l'argent. Tout le monde passe par là, sauf toi. Sauf toi. C'est une grâce dans la vie, les donateurs là. Hein? Parce que chez nous, les Bantous, c'est lui qui finance et c'est lui qui dirige. Vous trouverez dans certaines familles, votre vieux oncle est là qui a beaucoup d'argent. Et c'est aussi lui qui donne les noms aux enfants qui naissent. Ah oui, on peut se battre à nos bacombes, à jouer à Kama. C'est comme on a dit, j'ai ça là. Aujourd'hui, on est en train de donner les prénoms aux enfants. Messi, Ronaldo. Mais ton vieux oncle, comme tout le monde passe par là, tu veux oncle, mon épouse a accusé un garçon. Luc Mawa. Génération Messi, tu donnes à l'enfant de l'autre, Luc Mawa. Parce que toi, tu es Véclinien, l'ancien Véclinien. C'est pour ça que si vous trouvez un garçon de votre génération qui a un vieux nom, allez poser la question à son père. Tout le monde avec ce soleil là, sauf toi. Amen. Tout le monde avec cette histoire là, sauf toi. Amen. C'est moi qui va vous éclairer. Amen. Le jour comme la nuit. Amen. Si c'est par ce fétiche là que tout le monde doit recevoir de la richesse, toi, en dehors de ce fétiche là, Dieu te bénira. Tu n'as pas le Nkodia, tu n'as pas le Mbambu, tu n'as pas le fétiche clanique, mais on te voit en train de prospérer. Et tous ces sorciers-là de la famille vont se réunir pour dire où ils trouvent l'argent. Toi, tu trouves l'argent parce que Dieu a dit, c'est moi qui va t'éclairer. Dieu t'éclairera. Une fois là, quelqu'un de la famille paternelle qui m'appelle, ah, tu sais, je vais dire ça comme il a dit, comme il a dit au téléphone. Engueto diving la tournée ma foi. Donc on t'attend, on a un deuil. Je lui pose la question, vous m'attendez étant que qui? Parce que on attend celui qui a la richesse clanique. Moi, je n'ai pas eu la richesse clanique. J'ai reçu ça de Dieu. Alors, vous m'attendez pour enterrer. Je lui ai dit, bon, comme vous m'attendez là, je ne trouve pas la raison, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. On fait ça à celui qui a reçu votre encodia. Je lui ai dit, c'est sûr que tu m'as vu à la télé en train de prêcher une foule, tu crois que... Bien, mais cette histoire sur de prêcher à la télé, là, ça nous cause des problèmes. Hein? Un jour, là, mon oncle paternel, quelqu'un qui... Donc, j'étais au bureau là, oh non, il y a quelqu'un là, il dit qu'il est ton oncle paternel. Mon oncle paternel. Je sors les regards des vieux. Ah, c'est sûr, tu m'as vu à la télé. Parce que j'ai grandi dans une maison, la famille paternelle ne venait pas nous rendre visite parce qu'on était incapable de leur donner les tickets après ou de leur acheter les Jaffa, les Vitalo, les Fanta. Alors maintenant, à mon âge, là, tu viens. Oh, je suis le frère de ton père. De la façon que tu as disparu quand j'étais enfant, allez, continue à disparaître.
Oh non, toi ne fais pas ça. Tu es devenu pasteur. Voilà, tu pasteur comme Sakazoba. Bien-aimé, nous allons prier. Mais tu dois prendre conscience que non, chez nous, tout le monde passe par quoi. Bien-aimé, ça peut être une petite chose. Mais c'est cette chose-là qui te bloque. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Heureusement, Dieu existe. Il a dit à Isaac, toi pas comme ça, tu ne passes pas par là. Tu ne descends pas d'Égypte. Reste ici. Je te bénirai. Je serai avec toi. Les promesses que j'ai données à ton père, je vais exécuter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, le reste de ta vie, tu feras l'exception. La façon où tu vas élever tes enfants, l'exception. La façon où les enfants vont terminer les études supérieures, universitaires, exception. De la façon où la richesse va, de la façon où tu vas nager dans les richesses, exception. Bien-aimé, c'est bien aussi dans la vie, quand on te regarde, les gens ne se retrouvent pas. On te regarde, on dit non, dans notre famille, on n'a jamais eu quelqu'un comme ça. Alléluia. Mais pour arriver là, il y a des choses qu'il faut refuser. Qu'est-ce que tu dois refuser? Regarde ton père, regarde ta mère. Si tu es le cadet de plusieurs enfants, regarde tes aînés. Est-ce que tu n'as pas pris leur chemin? Une des prières que Dieu a exaucées de ma vie, j'ai dit à Dieu, fais-moi grâce. Je ne veux pas aller à la tombe en laissant ses enfants. Une fois là, j'ai regardé mon cadet là, je l'ai regardé. Un petit là qui jouait dans le sable. J'ai dit à Dieu, si je mourais, qui va élever cet enfant? Avec tous les caprices qu'il a. J'ai demandé à Dieu, aide-moi. Si cet enfant-là, le cadet, commence à prendre soin de sa propre vie, c'est dans ce moment-là que je peux aller. Je l'ai vu grandir. Moi, ce n'était pas ses aînés. C'était le cadet. Aujourd'hui, ce cadet-là, il est seul en Chypre. Quand il sortait à la maison, j'ai dit, je l'ai embrassé. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Je ne pouvais pas prendre le chemin de mon grand frère. Il a laissé derrière lui un bébé. Et souvent, les chemins tracés, ce sont des lois établies. Les chemins tracés, c'est la volonté clanique. Et quand il est revenu, parce qu'il termine cette année au mois de juin, quand il est revenu aux vacances, je lui ai dit, c'est vrai, j'ai dit à Dieu, si tu commences à... Mais donc, il ne peut succomber. Parce qu'après tout, j'ai eu tout le temps pour vous élever, prendre soin de vous. À mon âge là, je dois maintenant prendre soin à moi-même. Et j'ai dit à mes enfants, n'a que beaucoup là-bas, n'a été toute ma vie. Beaucoup. Kondwa miboko là. Bien, mais tu vas arriver à un certain âge, tu sens que, et comme il tourne, yo. Alléluia. Nous allons commencer à prier d'abord par annuler toute loi qui fait que alléluia. La loi qui fait que tout le monde doit passer par là. Paul a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je hais, je le fais. Ça sous-entend, tu ne veux pas passer par là. Mais tu réalises avec le temps
Tu te retrouves sur le chemin de tout le monde. Alors si tu passes par le chemin de tout le monde où tu n'as pas voulu cela, ça sous-entend, il y a une loi, une puissance. Comme l'a dit Paul, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Donc il y a une puissance qui vous pousse d'aller toujours dans ce chemin-là. C'est pour ça que nous allons nous lever. On commence d'abord à annuler, à débrancher sa vie, ta vie, de toute puissance qui t'impose le chemin de tout le monde. Prions le Seigneur. Jamais. S'il y a une puissance, une dictature dans le monde spirituel qui te pose le chemin, je me déconnecte au nom de Jésus de toutes les lois établies dans mon clan, Seigneur. Je me déconnecte au nom de Jésus de toutes les lois établies dans ma famille. Je me déconnecte de toutes les lois établies dans mon village. Je me déconnecte, Seigneur. Seigneur, la terre bâtie, Seigneur, imposée, Seigneur, dans le clan, Seigneur, que j'appartiens. Priez. Dans la famille à laquelle j'appartiens. Dans la tribu à laquelle j'appartiens. Dans le village auquel j'appartiens. Je refuse et je me déconnecte au nom de Jésus. Je me débranche au nom de Jésus. Je débranche ma vie et mon histoire. Je débranche ma destinée, Seigneur. Je débranche ma destinée. Je débranche ma destinée, Seigneur. De l'arbre du clan. Cette puissance là. L'arbre de la souffrance au nom de Jésus. Nous sommes en train de réduire une puissance à l'impuissance. Cette puissance là. Ce pouvoir là. Cette dictature là. Le chemin que tu Seigneur, ne veux pas. Seigneur au nom de Jésus. Tu réalises au nom que de tu Jésus, passes par le chemin de tout le monde. Je refuse, Seigneur, la dictature, Seigneur, de la souffrance. Je refuse la dictature de la souffrance au nom de Jésus. La quatrième connexion. La quatrième connexion au nom de Jésus. La quatrième connexion au nom de Jésus. Yahweh dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me déconnecte. Je refuse la dictature, Seigneur. Que la sorcellerie impose sur ma vie. Au nom de cette dictature-là, Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance. Allez réduire cette dictature-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cette dictature-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la dictature, Seigneur, de m'imposer la souffrance, de m'imposer le célibat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cette dictature, je refuse les lois établies dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de bien-aimé, Josué dira au peuple, si vous ne voulez pas servir, non, si vous voulez continuer à servir les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté de la rivière, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc il change de direction. Je ne prends pas cette direction-là. Moi, c'est l'Éternel. Bien-aimé, c'est ta vie. Quel est ton choix? Ce que toi tu veux. Bien-aimé, tu es en train de citer des choses où tu vois dans ta famille où tout le monde passe par là. Toi, tu débranches ta vie. Merci. Tu cites ça. Tu débranches ta vie. Regarde ton père, regarde ta mère. Débrancher ta vie au nom de Jésus-Christ. Citez cela dans la prière.
prier. Alléluia. Citez cela, débranchez ta vie, citez cela. Si dans la famille, il ne dépassait pas 60 ans, toi tu vas aller au-delà de 60. Débranchez ta vie. Si malgré les richesses, ils ne sont pas devenus millionnaires, débranchez ta vie. S'ils deviennent riches, ils meurent pauvres. Toi, tu mourras riche. Abraham est allé riche. Riche. Alléluia. Au nom de... Bien-aimé, j'ai dit, quand le marié entrait dans la salle, j'ai vu la mariée, sa mère absente. Bien-aimé, peut-être tu es là. Si ce n'est pas ton histoire, ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais tu peux aussi refuser cette histoire-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, ton père ou ta mère, à Monaï ou Kokolaté? Pourquoi quand les enfants commencent à prospérer, les parents disparaissent? J'étais dans une famille où ils m'ont dit, nous, ce sont les autres qui nous élèvent. C'est l'histoire de notre famille. Les parents ne sont pas là. Quelqu'un me dira, moi je suis orphelin depuis une année. Quand j'avais une année, papa et maman sont partis. Bien-aimé, qui veut faire de toi un absent? S'il y a quelqu'un comme ça, nous allons prier, passer devant, dire à Dieu, je passe devant pour que tu me fasses grâce. Bien-aimé, à Salem, une église à Kinshasa, une fille a reçu le diplôme d'État. Quand les résultats sont sortis, tout le monde était avec les parents. Aller dire aux parents, j'ai réussi la poudre. Elle n'avait pas de parents. Bien-aimé, cette histoire, laisser les enfants tôt. Ou cette histoire d'élever les enfants, tu les as élevés, tu les as fait étudier. Quand les enfants commencent à terminer les études, c'est dans ces temps-là que les enfants vont enterrer les parents avec des larmes. Si tu es là, aujourd'hui, personne ne fera de toi un absent. Amen. Tu seras là avec tes enfants. Amen. Si tu es concerné par ce sujet, approchez. Et que Dieu te fasse grâce. Ce que tu
tu as connu avec tes parents, que Dieu te fasse grâce de ne pas connaître cela. J'ai écouté quelqu'un dire, mes parents sont allés très tôt. Un homme riche, mais il m'a dit, si j'étais capable de ressusciter mon père, pour qu'il voit quand même ce que je suis devenu. Mais il m'a dit, je suis incapable. Est-ce que tu peux poser ta main droite sur ton cœur? Il y a encore de l'espace ici, veuillez avancer plus devant, approchez-vous. Tu as souffert de cette absence-là. Tu as dit, et cette absence-là ne va pas se répéter. Au nom de Jésus. On ne fera pas de toi un absent. Au nom de Jésus. Tu n'auras pas les enfants pour les laisser très tôt. Lorsque tu fais la blessure, tu la bandes aussi. Lorsque tu blesses, tu guéris. C'est-à-dire, tu causes une douleur et tu la fais disparaître. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus, en tant que berger, que toute douleur qui est dans ta vie, à cause de l'onction qui est dans ce culte aujourd'hui, que l'Éternel le fasse disparaître. Toute douleur qui existe dans ta vie, quel que soit dans quel domaine et dans quel aspect de ta vie, qu'aujourd'hui, le Dieu de ce soir fasse disparaître totalement cette douleur. Un jour, il a dit aux enfants d'Israël, ces difficultés que vous voyez maintenant, ça ne sera que de vieux souvenirs. Cette opposition à laquelle vous faites face aujourd'hui, ces marques, cette résistance auxquelles vous faites face aujourd'hui, ça laissera passage. Vous ne vous en souviendrez plus jamais. Car ça va disparaître. Les ennemis d'aujourd'hui ne vont plus exister demain. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Y a-t-il un souci dans ta vie érigé comme un monument? Y a-t-il une douleur qui demeure, qui reste et qui revient à chaque période? Y a-t-il un événement malheureux qui est devenu comme un anniversaire? Lorsque les autres fêtent la joie, toi tu te rappelles en larmes comme maintenant tu pleures encore. Parce que tu te rappelles de cet événement malheureux. Je prie que l'Éternel essuie tes larmes et qu'il fasse disparaître cette douleur. Plus jamais tu t'en souviendras. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Père. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas été abandonné par tes parents. Non. C'est la loi de la vie. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas été abandonné. Les parents n'ont pas fui leurs responsabilités. Que Dieu guérisse ton cœur.
jamais tu seras absent. Jamais absente. Que la bénédiction de Dieu vous soit accordée. Tu vieilliras avec tes enfants. Tu te réjouiras avec tes enfants. Tu te réjouiras avec ta vie. Que le Dieu de grâce te fasse cette grâce-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez rentrer. Bien-aimés, voilà ce que nous allons faire demain. Parce que je vois que on ne peut pas le faire dimanche parce que il y a certaines choses qu'il faut profiter directement. Dans cette histoire d'absence et dans cette histoire de chemin battu, demain, c'est jeudi, ça sera jeudi, hein? Yes. Demain, ça sera jeudi. Mais la séance de demain, nous allons prendre temps dans la prière pour réellement que tu ne sois pas absent. Dans le domaine-là de la vie, comme nous avons dit hier, jamais absent. Nous allons offrir à Dieu une offrande. Nous allons faire un sacrifice. Chacun de nous, chacune. Et nous allons passer une prière avec onction d'huile. Là, ça sera la grâce de ceux qui sont à la prière dans la semaine. Parce que si nous attendons dimanche, il y aura autre chose. Personnellement, quand je réfléchissais devant Dieu, quand je priais, le Saint-Esprit m'a convaincu. Bien-aimé, je n'oublierai jamais une des offrandes que j'ai faites dans ma vie pour dire à Dieu, de ne pas être absent. Demain, nous allons voir avec le bishop quand nous allons faire cela demain. À un moment-là du culte, nous allons offrir à Dieu. On doit être présent. À demain, cette offrande-là. Je ne te dirai pas, tu dois donner combien. Tu sais la grandeur de la chose. Et tu connais la qualité de la chose. Il a la grandeur et la qualité de la chose. Demain, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur Jésus?